On va drop où? On va essayer de pas trop tarder. Si on va ici, les ruines ancestrales. Allez, on va tester ça. Je crois que j'étais monté un grade de plus aussi. J'étais à la limite du gold la dernière fois. Bon, le problème, c'est que là, j'ai eu les deux premières games, elles étaient pas. Elles étaient vraiment à chier. Hein. Normalement, alors de mémoire ici, j'ai déjà drop. Et il y a de quoi se stuffer dans ces baraques. C'est un poil excentré sans être trop excentré. Récupère. Donc ça c'est un arbre T1, donc c'est un arc T1 si. Enfin c'est une arme T1. C'est-à-dire que c'est des armes qui sont vraiment pas ouf. Mais au début, au moins, ça évite d'être à poil. Très bien. On a un silver chest. Par contre, ça fait plaisir. Un backpack. Wooden chest. Donc ça c'est un petit peu moins haut en termes de rareté, normalement ce qu'il y a dedans. On va récupérer les potions. Pas 2 sur 7, ça va. Ok, il y a un junk ici. Oh, nice. Toujours bon à prendre les binoclars. Comme j'ai dit, ça augmente le brouillard de guerre. Ok, une site. Au moins ça me fait une vraie arme. Qu'est-ce que tu joues comme main arme, Pitou, que je sache? Au moins deux armes. Là j'ai une scythe ici. J'ai pris la double axe. Dans la maison derrière. T'as une site. Comme ça, au moins t'auras un. Du stuff T3. Ah, t'es sur des élites là. Hein. Oh, il y a Gold Maker là. Allez hop, reprends-toi les haches, voilà. Quelqu'un? Bon, mais le gars il est malade, hein. Slow. Ok, il est retard. GG. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait son pote. My bad. Les golds servent à quoi? T'as des junk, donc t'as des stores qui peuvent être là et tu vois genre ici, qui peuvent te permettre de le débloquer et les acheter. Ok, ennemi. Slow. Voilà, très bien, les haches qui reviennent. Ok. Genre là, il coûte 500. Et donc là, si je veux acheter des choses, je peux acheter des choses. Genre, si je veux acheter ça, vu que j'ai pas de pantalon, ça peut être sympa. Ah, quoique si, j'avais déjà un pantalon, je suis con. C'est pas grave. La site, non. 12. Ah, bah ouais, salut Scream, comment vas-tu? Après, quand je serai pro player sur ce jeu, je pense que j'attirerai plus de personnes, hein, mais c'est pas encore le cas. Ouais, mais ça me dérange en vrai. Bon, c'est toujours un peu dérangeant dans le sens où on préférait avoir plein de personnes. Trace de pas autour de moi. Arrêtez, il y a quelqu'un sur toi. Essaye de le ramener.
Et si tu peux me le ramener vers WAM, tu n'y arriveras pas. Nice. J'avais pas besoin. Les binocles, je sais pas si t'avais déjà. Il y a un Royal Chest à l'intérieur de cette tente. Je sais pas si t'as une clé. Le wand, je sais pas. Ouais, je vais rester avec ça pour l'instant. J'ai pas forcément joué le reste. Bon, je pense qu'on va aller des zones. Et toi, beau barbu, bah ça roule, Scream, ouais, c'est ce que je disais. Bon, à la rentrée, hein, donc pas mal de taf en ce moment. Normalement, j'aurais dû avoir un peu moins de taf cette semaine, mais on m'en a rajouté. On va dire, ah, mais t'es vachement en avance sur ton taf. Enfin, vachement en avance. Ah non, on m'a dit, hé, hey, tu t'es bien organisé pour ton taf. J'ai dit, ouais, j'ai essayé de faire ce qu'il fallait. Ah bah, ça te dérange si je te donne plus de taf? Cool. Mais dans mon contrat, c'était dit que... Oh putain. On va prendre l'écharpe binoclard. Augmenter ma zone. Et donc on m'a dit... sauf que dans mon contrat, c'était quand même dit que quand j'avais fini mon boulot, je pouvais rentrer chez moi, quoi. Tiens, t'as déjà fini. Exactement. Regarde ton arme pour avoir le slow en duo, ça peut vraiment me dire. Bah je préférais avoir le Thunderstaff. Et le problème c'est que plus ça va avancer, moins mon stuff va ressembler à un stuff qui va être lié au Thunderstaff. Parce que là je prends de plus en plus un stuff qui va plutôt être orienté CAC. Et pas magie de DPS. Ok. On va aller le tester. Ça a été Scout. Pour l'instant j'ai l'impression qu'il est tout seul. T'es dessus, t'es pas dessus. Ah non, tu pouvais pas te TP, toi. Avec la site. On est zone, Titou. Je pense. Ouais, on va les attendre. Voilà. On en a eu un et on a eu l'autre. Le problème, c'est qu'on va pas pouvoir les loot. C'est chiant. Ça, c'est un piège. Ah, il va aller les looter quand même. Il va aller les looter, il s'en fout. Ah, la fameuse manipulation du pied dans la porte. Manipulation du pied dans la porte. Ouais. Le pied de nez. Non, mais c'est pas grave, après. En soi, c'est des choses que je devrais faire à un moment ou à un autre. Mais genre, la personne qui donne le cours et qui me dit, eh, mais finalement, si t'es en avant, je donne pas le cours et tu prends ma place vendredi, ça c'est moins drôle. Nettement moins drôle. J'avais pas prévu de donner un cours vendredi, quoi. Je vais scout. Ok. Ils sont deux. Je sais pas s'ils sont en train de se fight. Je pense pas. C'est quoi, c'est du légendaire, ça, le Jack Goblin? Oh non, c'est du petit, on s'en fout. Donc ils savent qu'ils sont scouts. Je vais reprendre une popo. Mets-toi full life peut-être, je sais pas si t'as des mini popos. Ah, il veut y aller, hein. On demande des petites choses à faire en plus, de plus en plus grosses, exactement. Aïe. Allez, on va vers le T, on va vers le drop, le airdrop. Il y aura peut-être du fight. On se prépare. Ah, je peux pas dash. Je peux pas dash. Putain, mais le airdrop est dans la maison. Bravo, le airdrop. Souviens, il y a du stuff légendaire là-dedans. Si on peut essayer de se gaver, ce serait bien. Vas-y, garde le... Prends le reste. Je sais pas trop à quoi ça sert un mortar. C'est peut-être que tu sais, Titou, toi, ce que c'est un mortar. Hein. Non, c'est ce petit stuff. De toute façon, j'ai plus assez de gold. Pas mal d'HP potions ici. Hein. J'ai des pas vers moi.
Oh, il est. Au-dessus. Au-dessus de moi. Attends. Allez, t'aider. On se retire de là où eux. De Garen. Il est slow. Ah. Mal lancé. Le grab. Nice. Qu'est-ce que je peux te laisser en stuff là? Je sais pas si ce pantalon il est bien. Lui je vais le discard. J'ai trop de popo quoi. Je voulais prendre ça. Par contre je voulais regarder un petit peu. Use. Ah le mortier ça me permet de boost mon... Ah non! D'accord, en fait ça pose un mortier comme ça quoi. D'accord, original. J'ai mon scout dans 10 secondes. Au pire des cas. On va regarder les small cartes. Je pense pas qu'il va y avoir du stuff légendaire là-dedans, mais... Ok, des HP, potion. Ok, ennemi. Stun. Je vais essayer... Oh, t'es en train de le chase. Déjà en train de fuir l'autre. Wow, en plus il y a plein d'ennemis. C'est pas cool. Ok. Il met airdrop. Ah mais putain, il a le Nautilus. Oh, il y en a un autre sur moi. Ils sont deux. Hein. Ils sont trois. Tranquillement, on se prend une popo. On est en train de laisser le poteau dedans, forcément. Hop. Ok, il s'est pris le slow. On va se mettre le petit buff. Pas mal ça hein, quand même. Petit shield. Ok ok bon bah Titou fait tout le taf hein. Apparemment c'était le but du truc. Est-ce qu'on peut faire le dragon à ce moment là? On est trop useless. Et là c'est que j'étais scout. Yo Panther, bienvenue. Apparemment oui. À faire pop l'ours. Il y a un supply en plus juste à côté, un airdrop. Bon ce soir c'est crêpes, c'est à dire que t'as pas encore mangé des cas là et tu vas te faire des crêpes. Alors j'ai jamais tué le dragon, on va voir ce que ça fait. C'est pas ça que je voulais. C'est bon, je l'ai. Je vais scout. Allez. Un site derrière. On va aller le choper. J'aurais bien voulu me soigner, mais c'est pas grave. Le
magic barrier will shrink. The safe area has been refreshed. Ok, l'ours castan, très bien. Pas d'AOE. Ok, bien joué. Je prends cher. Ouais, voilà. Je prends plus que cher. Tout, les meilleurs crêpes, c'est chez moi. Je mange toujours vers 23h. C'est vrai, quoi. Genre, c'est un TD. Je sais pas ce que t'appelles TD. Oh, il m'a retué. Faut que tu le bouffes niveau stuff là. Ah, mais c'était pour le top 1. GG. Bon, j'ai pas été bon. Hein. T'as été bien meilleur que moi. Bon, après, t'as peut-être aussi plus de runes. Mais tu as été bien meilleur que moi. GG.